Un matin matinal. Tu vois ça? Matinal. Tu maintenant matinal. C'est pas beaucoup, c'est pas plusieurs. Tu risques de risquer un risque riscal. Tu connais? Le risque est plus la nuit que le matin bonheur. Ah bon? Ah ok, pas de souci. S'il vous plaît, on peut avoir la nourriture. C'est un matin matinal. Je suis avec Dominique ce matin qui est en train de prendre un petit truc là. Dominique. Mon fils. Je suis avec Dominique. Dominique, tu prends un peu de belé, c'est très important ce matin. J'ai mal au dos. T'as une boîte de pâté, mais t'as pas le pain. Oh, franchement, ce matin. Ah, un matin matinal. Franchement, mais doucement avec le belé, c'est pas bon. Doucement avec le belé, c'est pas bon. Ah bon? Tu as combien dans la poche là, ce matin? Ah, franchement, c'est 50 francs. Ah, tu vas acheter le pain pour moi? Ah, franchement, merci, c'est gentil, mais je veux... Et puis, je veux 100 francs pour finir ma journée. Pardon? Non, tu peux garder la pièce. Non, c'est pour toi. Non, moi je mange pâté. Je mange pas le pain. Non, mais je mange le pâté sans le pain. Voilà, je mange le pâté sans le pain. Voilà, tu vois? Mais toi, tu es en train de prendre le belin matin, ça va creuser ton ventre. Oh, mais Dominique, regarde-moi ici quand je te parle. Attends, il me parle maintenant. Mais quelqu'un qui te parle, qui n'a même pas de l'argent, mais c'est pas la peine. Tu crois que c'est l'argent qui fait le bonheur des gens? Oui, oui, oui. Présentement ici, c'est l'argent qui fait le bonheur de l'homme. Et il matin, quand tu... Moi, j'ai fait 5 ans à Nimbleco. Oui, oui. Même s'il vient de la Nimbleco, que toi, tu as fait 5 ans à Nimbleco, mais reconnais que toi, tu es un Français. C'est ça. Voilà. Parce que entre un franc. Toi, tu bon, rien, moi je oui, suis. Bon, il y a quelle différence bon, entre toi entre, et moi? Non, doucement. C'est la couleur de peau. Moi, je te demande. Dans nos veines, c'est la même chose. Moi, je te demande. Entre un Français et un gars qui vient d'animer les cours, entre les deux qui trahissent. Il met un autre sur son compte à lui. Ah bon? Quoi? Je parle l'argent, hein? Je parle les sous, moi. Mais ta façon de boire le belin, c'est pas bon. Tu bois ça vite. C'est pas bon. Comme ça, madame, c'est combien? Bonjour. Il faut lui donner. Elle va te donner une tournée, c'est bon? Non, mais c'est médicament, j'ai mal partout. Elle va te donner une tournée, mais je suis Kofi. Tu connais Kofi? Tu connais Kofi Séraphin? Non, Kofi Séraphin. Présentement, il te regarde. Hein? Bonjour, monsieur. Kofi Séraphin te regarde ce matin, hein, Dominique. Et dis-lui quelque chose, hein. En train de me filmer, toi. Non, mais dis-lui quelque chose. Là, t'es gâté, mais... Dis-lui quelque chose, Kofi Séraphin. Tu lui dis plus rien. Tu lui dis plus rien? Si, j'attends mon ami de Bruce. Kofi. Dis quelque chose à Kofi. Tu sais que ça veut dire Kofi, c'est des amis, Kofi. Ouais, mais donc, en global, tu adores les baoulés. Tu adores les baoulés en globalité. Annie et baoulé sont la même chose. Non, mais moi, les moi. Les abrons aussi. Mais moi, je vois que. Ça fait partie du camp des acras. Mais moi, je te dis ce matin. Comment bien? Moi, il y a. Comment bien? Un petit souci entre les baoulés et les agnis. Il y a un petit souci. Oui, il y a un petit souci. Ils s'entendent pas bien. C'est faux. Ça, ça c'est vrai? Oui, oui, il faut lui donner une tournée là. Une petite tournée, voilà, et juste, voilà. C'est... Donc, qu'est-ce que tu veux savoir entre les Akans? Ah, il y a ça Akans. Fait partie du groupe des Akans. Des Akans, ok. J'ai okay. Menti ou pas? C'est vrai, ça, c'est vrai. Je ne fais pas mentir, non. Moi, je suis encore petit Annie devant Baoulé, toi. Baoulé, Abron, ça fait partie du groupe des Akans. Je mens, maman, ou bien? Non, c'est vrai, ça, tu as parfaitement raison. Mais reste. Mais est-ce que tu connais Kofi? Kofi. Mais Kofi, c'est Kofi Séraphin. Kofi Séraphin Yao, est-ce que tu connais? C'est de ça dont je parle. Aïe, j'en connais beaucoup de Kofi. Mais est-ce que c'est, les Kofi sont des Agni ou des Baoulé? C'est ça. Oui, ça fait partie du groupe des Akans. Mais Agni Bleko, tu as fait combien d'années là-bas? 5 ans. Et tu as visité quelle ville en Afrique? À Bangourou. À Bangourou.
Djoumani. Djoumani. Oui. À Manvi. Oui. Ah, ok, pas de souci. Je vois un peu. C'est un menteur ou pas? Non, pas faux. Croyant que. Djoumani, quand il vient, il fait une semaine sur deux. Mais. Ok, mais je vais te demander quelque chose. Monsieur Djoumani, si je veux le rencontrer, 11e étage, auprès de l'ambassade de France, est-ce que je suis un menteur? Non, tu n'es pas, t'es pas un menteur, mais Dalois, tu maîtrises Dalois. Jamais fait Dalois. Ah, franchement, je veux que tu viennes faire un tour là-bas. San Pedro. Oui. Jamais fait encore Corgo. Corgo, ok, mais moi je préfère que tu te déplaces pour venir à San Pedro. Parce que là-bas, vraiment, franchement, c'est ouf. Je viens d'apprendre. Franchement, que c'est ouf à San Pedro. Sérieux. À San Pedro, je viens d'apprendre par les informations télévisées. Oui. Qui vont ouvrir une usine de cacao. Ah, ça c'est bon. Ça c'est déjà bon. C'est ce que je souhaitais à la Côte d'Ivoire depuis que je suis arrivé. Franchement. Depuis 5 ans. Franchement, vraiment, moi je suis d'accord. Je suis content avec toi parce que là, parce ça que peut ça va développer encore. Développer la ville. La ville. Oui. Et puis vous, les jeunes, là, du marché du travail. C'est pas faux, sérieux. Sérieux, franchement. Mais. Et le monsieur, l'autre, avant-hier, pour que je fasse un interview à Guiglo. Ah, d'accord, okay. Le journaliste de Guiglo m'a demandé de venir faire l'interview. Mais moi, je veux que tu te déplaces pour aller à San Pedro pour voir un peu le monde. Mais qui pour voir un peu. Franchement, je peux. On va avoir un séjour. Il y a des jolies femmes là-bas. Oh, très bien, il y a des belles femmes là-bas. San Pedro, il y a les plus belles femmes au monde. San Pedro. Oui, bien sûr, parce que tu adores les femmes. Tu adores les grosses fesses. Moi, les grosses fesses. Toi, tu adores quoi? Bien mince. Bien mince, bien bâti. Français. Oh, prends mon bon. Mon frère. Ah, vraiment, franchement, c'est très bon comme ça. Quand je suis cause avec toi, vraiment, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que c'est compliqué en nous, Africains, d'échanger comme ça. Je connais depuis. Parce qu'il y a la. Traverser les mêmes problèmes que toi. Franchement. Il y a la division. La division. Il y a la trahison surtout. Trahison, et vous vivez. Et te parler, franchement. Oui. J'habite Degepi, toi. Degepi, vous habitez Degepi? Mais c'est un quartier précaire. C'est précaire, mais bon. Vous habitez un quartier précaire? Attends, après tu regardes la ville. Oui. Quand j'ai appris que les Baoulés, il y avait problème avec Baoulés. Oui. Ma femme est guérée. Ah, elle est guérée? De Kadé. Kadé. Oui, je vois. Et l'autre côté. Ma belle famille. C'est-à-dire que le papa et la maman. Oui. Ma femme habite. Oui. Donc, on veut tout conclure, tu as marié une femme guérie. Oui. C'est ça. Mais je vois pas la bague sur toi. J'ai fait coco. Mais moi, tu as fait coco. Pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, mais il faut que tu mettes la bague au doigt parce que tu sais, notre femme, les femmes africaines. De l'état, j'habite dans. Ah bon? Bah, mon fils, c'est pas mon fils, c'est son fils. Ah, franchement, j'ai accepté comme. Hey, regarde-moi bien. Oui, je te regarde. Moi, je te vois. J'ai accepté comme mon fils, même s'il est noir, c'est pas grave. Oui, mais il est tombé. Il est tombé, mais il vit encore. Ah, heureusement encore. Il vit encore. Il a ses jambes au complet. Ouais. Parce que là, tomber de l'étage, c'est pas bon. C'est très grave, ça. C'est très grave. Moi, j'ai balancé 70 000 à Audrey. Il a quel âge? Quel âge? 2 ans et demi. Ah, franchement, c'est un enfant, c'est un gamin. Il a 2 ans. 2 ans, franchement. Prends ton verre, goûte un peu ton verre. Voilà, goûte ton verre ce matin, mais prends doucement. Parce que ce genre de boisson, on appelle ça gbelet. Quand tu prends trop vite. Je sais. Non, je sais, mais ça fatigue la poitrine surtout. Donc, il ne faut pas trop en abuser. Donc, quand tu prends, il faut prendre légèrement. Voilà. Parce que c'est ce genre de boisson qui peut te faire dormir dans un caniveau. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Madame, s'il vous plaît, on peut avoir la nourriture?
Moi, je mange pas. Eh, j'ai mangé le matin. Ah, attends, tu as mangé. Qu'est-ce que tu as pris ce matin? Tu as pris quoi ce matin? Parce que il y a. J'étais à la boutique d'à côté. Ah, d'accord. Il y a Sié Ouattara qui te regarde. Il y a Sié Ouattara qui te regarde. Il y a Serge Mpele qui te regarde. Tu vois, il y a Mori Fofana qui te regarde. Marie Fofana, voilà. Il est là. Boniface Caboret qui Boniface te regarde. Boniface Caboret. Voilà. Voilà. On est là tous ensemble. Voilà. Donc franchement, tu as toute la Côte d'Ivoire qui te regarde présentement. Et je te dis sérieusement que vraiment c'est bon. Voilà, tu es mon doyen. Non, vraiment. Y a pas de... hey, coupe-moi ça. Tu es mon doyen, vraiment, tu es mon grand homme, moi je suis content. Amitié à... Amitié pour la vie. Pour la Côte d'Ivoire. Pour la vie, la Côte d'Ivoire. Surtout. Pour la peau. La peau blanche, la peau noire, c'est la même chose. Coupe-moi avec goût. C'est le même sang. Oui. Merci. Tu me donnes un plat de riz avec la viande. Viande de bœuf, hein, il y en a. Merci. Ok, vraiment merci. Non, on est ensemble. Mais dis quelque chose à la Côte d'Ivoire. Dis quelque chose à tous ceux qui te regardent. Dis quelque chose. À tous ceux qui me regardent. Oui, oui. Gardez le même président. Votez un autre président. Changez l'entourage. Il a tout dit. Répète encore, s'il te plaît. Répète, s'il te plaît, encore. Monsieur le Président est encore au pouvoir. Oui, oui. Pour quelques années. Oui. Mais changez l'entourage. L'entourage surtout. Pardon. L'entourage, il faut changer. On vous demande pardon. On vous demande pardon. Tous les ministres, il faut les changer. Tous les ministres, ah ok. Faut les... Ils sont pourris. Ils sont pourris. Ah, oh, frère. Pourris, franchement, pourris, franchement. Pourris. Ok, donc, en conclusion, toi, tu es venu pour rester en Afrique. Surtout précisément en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas venu en Afrique pour rester en Côte d'Ivoire. Je suis mais venu... tu as duré ici. Tu ben as oui, duré. Je suis venu. Tu as duré, franchement. Oui. Et quand c'est comme ça, moi, ça me fait mal. Je vais dire contre mon gré. Moi, ça me fait mal. Je suis le 3 mars 2010. 2010, et ça fait combien Chiali d'années Ouattara. Ça fait 16 ans, on va dans 18 10 ans. 10 ans. Oui, 8 6 ans. Ans 8, 6, non, 8, 8, 7 ans. Parce que 2010. 7 ans. Bon, 7 ans. Alors, 3 mars 2010. Franchement, tu as trop duré en Côte d'Ivoire. Moi, ça me fait mal, par exemple. Moi, je suis un Africain. Écoute, quand je suis arrivé, j'étais pas sous de Bagbo. Je ne vais pas t'interrompre. Écoute, moi, présentement, je viens de l'Afrique, précisément la Côte d'Ivoire. Moi, je veux partir en Europe. C'est dur pour moi. Tu vas aller faire quoi là-bas? Mais je vais aller me chercher en Europe. Non, faut que tu regardes les choses comme Popola qui dit. Tu prends les choses, tu les ramènes dans ton pays. Ah bon? Donc tu seras le plus grand. Donc tu me conseilles quoi? Demande de rester en Côte d'Ivoire? Oui. Mais toi, tu es en Côte d'Ivoire aussi. Pourquoi moi, ne pas partir? Mon expérience de France. Ah, toi, tu envoies ton expérience de France en Afrique. Oui. Mais en Afrique... Mais pourquoi, monsieur Ouattara? Mais en Côte d'Ivoire, monsieur... moi, je vois que ton expérience que tu envoies, c'est de chercher les femmes. Tu adores beaucoup les femmes. Mais ça, c'est pas l'expérience que tu apportes. Est-ce que tu vois? C'est ça le souci. Il n'y a rien dans jalousie. Non, c'est pas fait de jalousie. Ça coupe ça. Non, c'est pas fait de jalousie, mais franchement. Donne-moi 700. Tu vois? Donc ce qu'il te dit. 800 pour moi. Donc franchement, ce qu'il te dit, c'est sérieux. L'espérance que tu apportes, c'est de chercher notre petite fille que nous on prend pour se débrouiller, tu vois? On se débrouille avec alors, des filles. Puisque tu es en train de me filmer, moi je vais tout raconter. Je vais vous dire devant tout le monde. Non, pas devant tout bonjour, le monde. Monsieur. Devant des amis, devant des frères. Voilà. Faut pas jouer avec moi. Oui. Bien sûr. Hey, même deux fois, trois fois. Voilà. Donc, j'étais disant que... Moi, je vous dis que... Oui. Plus d'une fois que j'étais avec cette Côte d'Ivoire, on m'a dit, vous les Blancs, les Européens, vous avez créé la prostitution. Oui, on reconnaît. La prostitution est née même depuis. C'est vous qui vous apportez ça. Depuis avant la naissance de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien aujourd'hui. Oui, oui. Écoutez-moi bien aujourd'hui. Si oui. Tu peux me filmer, tu peux balancer ça. Sur... Non, je balance pas. Il faut me regarder. Moi, regarde, je te prends une vidéo là. Moi, je me regarde en face. Moi, je dis la regarde-moi. Prostitution. Regarde. Dans mon graine, tu mets un peu de feuille. Regarde-moi là, tu vois. Ça, c'est moi.
Tu me vois? La prostitution. Regarde, bon, là. Les là. Petites filles, non, elles arrivent du village. Écoute-moi. Hey, non, là, je m'assois. Calme-toi. Là, je m'assois à côté de toi et puis je cause. La prostitution, c'est quoi? Bon, là, ça, c'est moi. Tu me vois? Mais moi, je me vois à côté. Voilà, tu te vois à côté. C'est la famille. Est-ce que tu vois? On dit que nous, les blancs. Non, tu n'es plus un blanc, tu es un africain. Parce que déjà, quand tu prends ça, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça, on ne trouve pas ça en Europe. À cause d'Audrey, à cause de la fille du colonel. C'est le nom qui change ce nom. Non. Hein? Non, mais ça, c'est le nom qui change. Lui, il est très puissant. Voilà. Quoi? Le même sang. Coupe ta veine. Il dit c'est le même sang. Là, tu as tout dit. Moi, je suis d'accord avec toi. On est tous d'accord avec toi. Charge. C'est zo. Ah bon, répète ça encore. C'est zo. Alors, mais franchement, Dominique... Tu m'as puisé tout mon sang. Je voulais te dire, écoute-moi oh, ça. Oh, Dominique, arrête ça. Aïe. Dominique, arrête ça. Je suis plus fort que toi. Bon, je vais manger. Dominique, je sais que tu es plus fort que moi. Non, je... Tu as de l'espérance que moi, mais vraiment. Mets-toi à l'aise. Moi, je suis impuissant. Tu es quoi, impuissant? Moi, je suis impuissant, non, gars. C'est voilà. Un joli garçon. Non, c'est pas ça qui compte. Aïe. Un joli garçon qui n'a pas l'argent, qui n'est pas mu d'esprit, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il fait quoi sur ce que tu viens de me parler aujourd'hui, tu n'es pas mûr d'esprit, tu es encore plus mûr que moi. Non, pourquoi? Non. Moi, je suis en train de te dire... Ton prénom, c'est comment? Je suis en train de te dire, mon prénom, c'est Armel, Guy Armel. Oui. Armel. Armel. Oui. T'es mûr. Mais moi, je suis en train de te dire... Toi, non, laissons. Bosseur, laissons à faire des filles. Tout à l'heure, tout à l'heure, tu m'as précisé que toi, tu es venu apporter de l'expérience en Côte d'Ivoire, et surtout à Guiglo. Mais moi, j'ai constaté que c'est des femmes c'est qui cherchent. C'est pas sur toi, j'ai non. Commencé chez Ali Ouattara. Oui, mais moi, j'ai constaté que c'est des femmes que tu cherches ici. Moi, ça me fait mal. Non, c'est quand tu cherches nos petites soeurs. Fanny, là, c'est pour Ali Ouattara. Fanny. Fanny, les poulets, il a mis les deux pieds et les deux mains dedans. Il connaît. 5 ans. Là. Il a fait 5 ans. Là. Non, en fait, je connais le coin. Je connais. C'est sur la route avant d'arriver à Bondoukou. Tu là. Connais le roi. Tu mais connais... je ne savais pas son nom. De ah, il travaille avec sa fille qui est son comptable en même temps. Ah, d'accord. C'est gâté. Donc, Dominique, bon, en conclusion, tu es un ancien. Mais tu as un doyen aussi. Lui aussi, il connaît là-bas. Il connaît la voix. Et t'es l'ami à Kofi du bas à côté de la voix. Ah, d'accord. Non, tu as raison. Tu as raison. Mais faut saluer un peu mes amis parce que mes amis sont en train de te regarder ce matin. Pardon, je les salue intelligemment. Voilà. Non, il faut saluer Dja Prince. Dominique, salut Dja Prince pour blanc, moi. Mais je peux me mettre à... Non, pourquoi? Salut Dja Prince pour moi. Salut Dja Prince. Répète, Dja Prince, tu le salues? C'est un frère à moi. Il faut le saluer ce matin. Dja Prince, je te salue. Voilà. Parce qu'il te regarde, il je est content. Je sais qu'il est en train de me filmer. Il a non, tout mais... balancé sur mais non, non. Mais je m'en bats les couilles. Merci là-bas. Je merci te filme là-bas. Pour te mettre sur le face, mais tu t'en bats les couilles. Mais Nali mais je suis dedans, non? Je suis dedans dans la vidéo. Je suis dedans. Nali Jousmith, c'est qui? Nali Jousmith. Qui c'est ça? Celle qui envoie les filles de bas au Mahoué. Mais pourquoi tu adores ces gens de filles de Maki? Pourquoi elle est bas? Hey, je suis tombé dedans. Tu es tombé dedans, ah bon? Tu es tombé dedans? Il a mangé Baouin. Tu as mangé Baouin. Il faut préciser que tu as mangé Baouin. Voilà. Toi, t'es gâté. Tu as mangé Baouin, c'est pourquoi? Regarde comment tu bois cette tournée. Tu bois doucement, Dominique. Je ne vais pas tout avaler d'un coup, ça va me rendre malade. Et puis en bois plus, doucement, s'il te plaît. J'ai mal partout, tout mon corps me fait mal. Ok. Popolite, tout ça. Genre. D'accord. Donc, je dis merci mon encore. Mon ami repasse. Hé, hey, t'as long. Je dis merci à Dominique, voilà. On est ensemble, c'est la famille. Ok, cool. Bon. Ciao, on est ensemble. Merci.